Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Permettez-moi de vous présenter un endroit apprécié ô combien par les candidats, le lieu de vie. Eh oui, un deux pièces sans cuisine, 10 mètres carrés pour 6 personnes, et puis surtout, eau froide à volonté. Alors me direz-vous, quelle différence y a-t-il entre ici et les prisons? Les rats, bien sûr. Ici, il n'y en a presque pas. Bien, je vous propose de faire connaissance maintenant avec les locataires du jour. Enfin, sauf celui-là, bien sûr. Et aujourd'hui, à Fort Boyard, nous accueillons une équipe tout-terrain, aussi à l'aise sur la route, sur la terre que sur la mer, puisque nous avons le plaisir de recevoir Richard Virenque. On ne le présente plus, champion de cyclisme, 7 fois meilleur grimpeur du Tour de France, l'homme des grands moments. Stéphane Peter-Ancel, pilote automoto, 11 fois champion de France d'enduro, 2 fois champion du monde, 8 fois vainqueur du Paris-Dakar, c'est l'homme de tous les records. Catherine Chabot, navigatrice, elle a fait 2 tours du monde en solitaire et 13 traversées de l'Atlantique, c'est la sportive de l'équipe. Maïar Manchipour, boxeur, champion du monde WBA des Supercoupes depuis le 4 juillet 2003. Faites-lui confiance pour donner un coup de punch à l'équipe. Et pour compléter cette équipe de choc, nous pourrons compter sur le charme et le dynamisme de la comédienne Salomé Lelouch et du comédien Olivier Sitruc. Ensemble, ils vont défendre les couleurs de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui se mobilise en faveur des enfants atteints de malformations cardiaques. Alors, souhaitons leur bonne chance et bon courage. Ils sont 6, ils sont surmotivés, ils ont encore le sourire aux lèvres, plus pour très longtemps. Voici donc notre équipe et Sarah. Pas du tout stressés. Bon, tant mieux. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bienvenue sur le fort. Bonjour à Passepartout et à Passe-temps qui sont avec nous également. Eh bien, soyez les bienvenus en effet, car voilà, une nouvelle aventure, ça... Une nouvelle aventure, ça quoi? Ça annonce. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, présentez-vous. Alors, nous avons Maillard, Catherine, Richard, bien. Stéphane, Salomé, ma petite sœur, et Olivier. Voilà. Parfait. Belle équipe, une association si vous êtes là, évidemment, oui. À défendre, qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. Catherine va nous en dire un tout petit mot, mais on va en reparler pendant l'émission. Oui, en fait, on va jouer pour les enfants de Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est une association qui a été créée en 96 par le professeur Francine Lecas et qui opère des gamins qui viennent de pays où ils ne peuvent pas être opérés. Donc ils viennent en France, ils sont reçus par des familles d'accueil, etc. Donc c'est pour eux qu'on joue. Voilà pourquoi. Ça, et vous avez un petit nounours de l'association. C'est la mascotte de l'association. Mais ça ne va pas être évident de le garder, vous allez essayer de vous le passer. On va voir combien de temps vous allez le garder pendant l'émission. On pourra peut-être compter sur le soutien du nounours également hein, pour remporter les différentes épreuves qui vous attendent. Je vous rappelle donc que la première phase de cette aventure, c'est 45 minutes d'épreuve. Ramener 7 clés, 7 clés ô combien importantes, puisqu'elles vous permettront eh bien, d'ouvrir la porte de la salle de trésor. Le gang est parti, c'est maintenant ou jamais. Bonne chance à vous, vous suivez Passepartout, allez. Alors là, c'est la première règle, toujours suivre Passepartout et peut-être qu'on va faire un cri de guerre pour commencer. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un bon départ. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. 7 clés sont nécessaires. Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les cachots de Fort Boyard. Je te laisse entraîner par Passepartout. Comme d'habitude. Il est coquin, ce Passepartout. Bon alors, nous allons commencer tout de suite. Richard, veux-tu bien te dégager du peloton, s'il te plaît? Viens près de moi, n'aie pas peur. Les candidats ont toujours un peu peur de s'approcher de moi. Alors, comme on dit dans le jargon des cyclistes, ce qui t'attend derrière, c'est une grande classique. Voilà, et comme tu n'as jamais eu peur de mouiller ton maillot, tu vas être dans ton élément. Allez, attention, Richard, bonne chance. C'est parti. Allez Richard, tu ouvres les hostilités avec une... Comme Olivier vous l'a expliqué, classique de Fort Boyard. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous l'expliquer ou l'expliquer à Richard. Richard, le but du jeu étant d'aller sur ce tapis roulant, de prendre les sauts qui se trouvent en haut de lui. Ah, ça commence mal. Alors, on va prendre des habitudes. La première habitude, toujours avoir quelqu'un en face ou juste à côté de la porte. Voilà, pour lui donner des indications. Là, quel site? Très bien, kilomètre. Voilà, surveiller. Il doit, voilà, mettre un maximum d'eau dans le réservoir. Oui, c'est vrai qu'on a deux solutions. Soit on reste comme ça, on ne dit rien et on rigole. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est de l'encourager et de l'aider. Parce que là, je me sens pas très bien. Non, c'est de prendre les sauts. Alors, il faut qu'il trouve un rythme de croisière. Une fois qu'il a trouvé le rythme. Essaye de trouver le rythme du tapis.
compris que l'eau va servir donc à faire dégager la clé qui est maintenue par un flotteur. Donc il faut absolument qu'il perde un minimum d'eau, ce qui n'est pas le cas. C'est Richard tout à l'heure qui disait... Richard, ne te retourne pas. C'est Richard tout à l'heure qui disait qu'il n'était pas très réveillé. Hein, il me semble. Hein. Là, c'est bien. Oh là, c'est bon, relève-toi. La clé de allez, attends, Richard, t'as le temps. Encore un tiers. Allez, remonte. Allons voir. Il a encore le temps. Encore un tiers, le temps. Il peut tenter de remettre des seaux, mais il me semble qu'il a quand même réussi à mettre un petit peu d'eau dans le réservoir. Ah, le début, le premier. Alors, non, mais le niveau de la clé, regardez, la clé tout en bas, il faut vraiment que... C'est super, ça, c'est super, Richard. Non, il faut vraiment qu'il se dépêche maintenant si vous voulez récupérer la clé. J'adore parce qu'il fait du bruit. Allez. Il fait beaucoup de bruit. Donc vous l'encouragez pas. Elle est à plus de la moitié quand même. Là, vous n'allez pas tarder à lui dire de sortir. Je vous donnerai un petit top. Il faut toujours... Allez, encore, Richard. Il faut qu'il sorte, Richard. Allez, Richard. Vite, il sort. Allez, Richard, sort. Ne pousse pas. Bravo. Richard, viens te témoigner. Ah, t'as besoin de t'appuyer? Appuie-toi si t'as besoin de te reposer. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas réveillé, c'est ça? Et est-ce que tu l'es maintenant? Je me suis pris une gamelle. Oh, la première. Une gamelle? Peut-être 5 ou 6, non? Oh, c'est pas possible. Alors, comment t'as vécu? Comment t'as vécu cette première épreuve? Oh, c'était violent pour commencer. Violent? Ouais. Bon, alors, vous n'avez pas de clé. On va pas s'inquiéter parce que c'est la première cellule. Mais on va en revanche enchaîner parce qu'il y a un temps imparti à respecter pour récupérer cette clé et on ne veut pas avoir de prisonniers. D'accord? D'accord. Ok? Allez, on y va. Tu as besoin de te reposer. Non, mais toi, t'as l'habitude. T'as de l'endurance. Le problème, c'est... C'est plus dur que le vélo? Partira froid. Ah, non, mais... Allez, on y va. Allez, Richard. Hop, allez, hop. Parti. Tu vas se partir. Tu vas sauter. L'ambiance est toujours là. Richard, il est mort déjà. Mais la clé n'est pas là. Non. On s'inquiète pas encore. Mais Richard est bien réveillé maintenant. Il est réveillé. Voilà. Mort, mais réveillé. Réveillé. Parfait. Bon, attention. Un peu d'attention. S'il vous plaît. Il est même pas là, Richard. C'est-à-dire qu'il est à la clé. Alors. Et un, Richard, deux, trois. Hey, les enfants. Et le cœur. Alors? Ça réveille, ça, je suis en forme. Très bien, je vois ça. Parfait, tu n'as pas par fini contre, de tuer. Par contre, j'aurais dû me suspendre. Non, pas dû. Oui, mais on peut plus en faire, c'est comme ça. Je vais demander un peu d'attention, vraiment, parce que c'est un moment solennel maintenant. Derrière cette porte se cache une nouvelle cellule pour cette saison. Et donc, je demande pour la participation à la cérémonie d'inauguration, Catherine et Stéphane. Je vais aller donc vous présenter devant la porte, allez, s'il vous plaît. Vous allez voir, on est très loin d'un cocktail mondain. Attention. C'est parti. On y va. Alors, bien de vous le dire, Olivier, c'est une nouvelle cellule. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Nous sommes dans une réserve de sel. Ils vont devoir prendre le sel avec les louches, les transvaser d'une louche à une autre. Prendre le sel avec les louches. Alors, la réserve de départ est à la droite de Catherine. Attends, mais où est la clé? Catherine, à ta droite. Voilà, elle a compris le truc. Il faut évidemment... Et tu changes de tuyère maintenant. Voilà, et maintenant, dans l'autre tuyère. Alors, ce qu'elle peut faire, Catherine, voilà, elle a compris. Pour le maire, c'est attendu la clé. Elle est là, la clé. Tu l'as vu, la clé? Olivier, très important, perdre un minimum de sel, parce que moins ils en perdront, moins ils seront trajet. Tu vas prendre les deux de gauche, à mon avis. Et essayez de ne pas perdre trop de sel. Des pannes, tu vois, là. Merde. Alors, ils ont refermé le couvercle, mais il y a une petite aile de refaire, enfin, moi je l'appelle comme ça. Voilà, elle a compris. Elle a très bien compris, Olivier, sauf que elle a quasiment gardé aucun sel. Il faut vraiment que les louches soient pleines à ras-bord. Tu vas viser juste. Mais il y avait un tout petit peu plus doucement pour garder le sel dans la louche. Là, il n'y a pas assez de sel, par exemple. Elle devrait en mettre plus dedans. Allez, Stéphane, recommence si tu veux. Stéphane, recommence, mets en plus.
Reste là, je vais reprendre. On va continuer avec cette couche-là. Alors évidemment, plus il y aura de sel dans le réservoir d'arrivée, plus ça fera contrepoids et ça permettra de dégager la cuillère. Et en fait, la carence est très difficile à manier. Alors, ce que tu peux lui dire, c'est comme la première fois, elle a fait tomber le couvercle, que cette fois, elle fasse attention, qu'elle essaye de le contourner. Fais gaffe avec le couvercle, de ne pas le faire retomber. Catherine, tu m'as entendu? Oui, c'est bien reçu, bien reçu. Cette femme, tu remplis là. J'ai l'impression qu'elle a compris. Non, mais je peux pas reculer. Essayez de remplir l'autre cuillère après. Le problème, c'est de passer par-dessus le couvercle sans. Par-dessous. Dès qu'elle ramène la louche vers elle. Ramène-la vers toi. Voilà. La louche. Attends, il y a un truc à. Et qu'elle inverse. J'espère que ça va suffire. Comme ça, c'est très bien. Est-ce que la clé se libère? Apparemment, non. Il faut qu'il. Encore une fois. Mais regardez la clé. C'est bon. Attention. Mais tu t'as l'air, il est sorti. T'es dessus. Il faut aller un tout petit peu plus vite. Il fallait vraiment les remplir à ras-bord et en laisser tomber le. C'est bien, on a bien démarré. Vous avez tout de suite compris ce qu'il fallait faire? Du 100% dans la Stéphane, il a tout de suite compris. Il est intelligent et toi, non pas du tout. Ah tu l'as suivi. Absolument, j'ai suivi. Face à la manipulation. Bon, on va commencer à s'inquiéter parce que. Organisé, mais c'est pas facile. La clepsydre, on s'inquiète à partir de quand à peu près? Quand tu l'as dit, quand tu l'as repéré. Exactement. Bon, on a zéro clé, il va vraiment falloir maintenant qu'on se réveille. On devrait retrouver maintenant le père Foura en compagnie d'Olivier. Olivier? Oui, Sarah. Bon, pour l'instant, on peut pas dire qu'on ait énormément de clés, donc une énigme serait peut-être la bienvenue. Alors, pour tout vous dire, je ne connais pas encore, bien sûr, la réponse à l'énigme. En revanche, je connais le nom de celle qui va venir rejoindre ici le père Foura, c'est Salomé. Tu l'as réussi, cette énigme, d'accord? Alors, ce père Foura, vous avez... Vous êtes tout chose, là, aujourd'hui. Olivier, ça me fait plaisir. Figurez-vous, mon petit Olivier, que j'ai reçu une lettre d'une admiratrice, mais plutôt enflammée. Ah oui? Mais c'est trop personnel, je ne peux pas trop vous la lire. Bien sûr. Bon, puisque vous insistez, écoutez bien. Bonjour, ça commence comme ça. Je m'appelle Sandrine, je ne rate jamais aucune émission, car vous êtes si intelligent, si séduisant, avec votre charmant sourire et vos muscles saillants. Oh, ça fait plaisir. Attendez, il y a quelque chose derrière là. Surtout ne changez. Ah bon? Comment? Surtout ne changez rien, Olivier. C'est comme ça que je vous aime, Sandrine. Disais bien. Ça va. Vous avez vu l'heure? Bon, allez. Faites monter les candidats. C'est ça, père Foura. Ça va. Incroyable. Je vais la coller, comme ça on ne verra pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça sera très très bien comme ça. Tâchons d'être aimables et même séduisants avec la petite Salomé. Car si jamais elle m'écrit une lettre, pour une fois, ça me sera destiné. Bien, j'ai connu une Salomé, mais il valait mieux avoir la tête bien sur les épaules. Bonjour ma petite Salomé, bienvenue dans mon petit théâtre. Oui, ici la scène n'est pas très grande, mais par contre, il y a beaucoup de spectateurs. Dites-moi, vous avez le trac? Vous êtes plutôt sujette au trac ou pas? Oui. Oui? Là, comment vous sentez-vous? Pour l'instant, ça va. Oui, parce qu'apparemment, vous avez l'air très décontracté. Et concentré? On n'a pas de clé encore. Non, alors c'est l'occasion ou jamais. Écoutez bien, voici l'énigme. La croquer sous la dent est un réel délice. Mais au même endroit, pourtant, elle peut être un vrai supplice. Qui est-elle? Je répète, la croquer sous la dent est un réel délice. Mais au même endroit, pourtant, elle peut être un vrai supplice. Qui est-elle? La caroline sous la dent, un vrai supplice. La croquer, la pomme, la pomme de dent, un pont, une... Allez, continuez. La croquer sous la dent peut être un vrai délice. Mais au même endroit pourtant, donc sous les dents peut être un vrai supplice. Allez, proposez-moi. Oui, ça, un langage sur muet. C'est ça, un langage sur muet, ça marche pas. Bon, écoutez, je vais vous la donner, mais pas la clé. C'est ça. La réponse. Eh bien, c'était la fraise. Et vous allez dire, mais oui, bon sang. C'est ça. Mais oui, le fruit. Et puis la fraise du dentiste.
L'instrument dont on se sert le dentiste est souvent redouté. Eh bien là, c'est la vigie hein, qui sera redoutable pour vous. Allez, allez, vous descendez. Et je la remets dans le placard. Eh oui. Bon. Eh bien, en parlant de fraises, au moins elle aura pu constater que je ne mets sucre pas. Allez, cours, passe partout. Et on court plus vite. Regarde pas ta tête, Richard. Non, elle a pas eu. Ça te fait rire ? Je ris parce que tu me perdais ton souffle, c'est pour ça que je ris. Bon, Richard. Mais alors, Richard, Il aime plus les montées. Non, j'ai l'impression que. Hein, je suis le rouleur. Mais... Tu essaies de garder ton énergie pour plus tard et tu as bien raison. Bon, pour l'instant, donc, c'était quand même un grand fiasco. Ouais. On peut le dire. En toute affection. On va finir fort. Bon, j'espère bien. Comprenez-vous ? Pour cette cellule, j'ai besoin de quelqu'un qui sache donner des coups, mais surtout les éviter. Maillard. Ok, on y va. Toi qui, généralement, réussis toujours avant la limite à gagner, ça devrait être pour toi. Attention. Compte sur toi, parce que... Bonne chance, c'est parti. Allez, vas-y, Maillard. Salomé. Alors. C'est, ça avait l'air facile. Cherche la clé. On vient sur toi dans 2 secondes. Alors, Maillard, il faut qu'il trouve un rythme de croisière. Il faut qu'il se positionne face à la plaque. Je vous entends pas. Est-ce qu'il a repéré la clé? Est-ce que je vais repérer la clé? Avance. Qui continue. Là, il y a une vitre avec des vis. Les vis, là. À sa droite. Derrière toi, dans ton dos. Dans son dos, voilà, exactement. Dans ton dos. Dans une vitre. Continue à avancer. Exactement, là, tu regardes. Deux mains en même temps. Tu dois dévisser et éviter les... Deux mains en même temps. Allez, fais tourner. Essaye de mettre les deux mains. Les deux vis en même temps, il trouve un rythme de croisière. Vas-y. Et très vite, hein, parce que là, il a perdu beaucoup de temps. Avant de repérer la clé, et on a vraiment besoin d'une première clé. Allez, tape. C'est bien, là. Il est rapide, hein. Allez. C'est bon, il est bon. Tu vas rester dans la prison, hein. Ouais. C'est bon, je suis sérieux. Bon, Salomé, à ta décharge, personne n'avait touché. Les deux mains, si c'est possible. Voilà. On voit le torseur, on voit son jeu de jambes, on voit ses mains, on voit son habileté. Allez, une tête dans la vitre. Elle est plus qu'une seule vitre, tu peux la voir. Allez, encore, c'est bon, t'as du temps. Allez. Il faut la voir. Je pensais, quand t'es rentré et que tu voyais pas la clé, que c'était mort. J'avais vu. Mais alors, quelle rapidité après. C'est quoi, c'est la boxe, ça? Non, j'ai au chaud. Ouais, bah c'est ça. Et bravo, une première clé, ça mérite la première. 1, 2, 3, pour les enfants, et ayons du cœur. Non, on va pas perdre de temps, quand même, on continue à suivre. On passe partout et bien joué, bravo. Tu vas la voir. Bon, enfin. Eh oui. Et quand la première arrive, vous savez, c'est comme les plots de laine. Hein. Une fois qu'on a trouvé le fil, après, crac, les autres arrivent assez rapidement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bravo, Maillard. Bien. Je savais qu'en misant sur cette cellule, sur toi, ça allait fonctionner. Ah bah, j'espère, c'est parfait. Ouais. Un champion. Bon, alors, dans cette cellule, il y a de l'eau et c'est une épreuve en solitaire. Forcément, je me suis dit, il faut une spécialiste. Viens ici, ouais. Tu as besoin de ceci, oui. Tu vas comprendre très vite pourquoi. Généralement, c'est l'eau qui te porte, là, c'est toi qui vas porter l'eau. Ouais. Attention. Allez, Catherine, n'oublie pas. C'est parti. Allez, vas-y, Catherine, cette fois, Stéphane, c'est toi qui te mets contre la porte et tu vas donner les ordres. Alors, première chose, elle doit remplir le tube et boucher le tube avec voilà, les extrémités du tube avec la paume de ses mains. C'est la meilleure façon qu'elle ait pour perdre un minimum d'eau. C'est très important, il ne faut pas qu'elle perde d'eau. Parce que plus elle perdra d'eau, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec les louches.
Normalement, c'est sur le dos, c'est plus simple. Ça, tu peux lui dire, Stéphane. Je vais te mettre sur le dos, c'est plus facile. Non, elle est arrivée au bout, donc tu lui diras pour son prochain trajet. Là, tu vois, je vois qu'elle perd de l'eau. Qu'elle perd un minimum d'eau. Là, elle va enjamber des obstacles. Là, elle a perdu de l'eau quand même. Et alors, autre chose que tu peux lui dire, Stéphane, c'est quand elle s'approche du réservoir, surtout qu'elle verse l'eau doucement, pas dans la précipitation, ce serait dommage qu'elle en mette à côté. Dis-lui maintenant, dis-lui. Allons doucement, n'en perds pas. Doucement. Doucement, doucement. Là, tu vois, elle a été trop vite. Il y a des gouttes qui sont allées sur le côté. Et la clé, regardez, elle avance quasiment pas. Allez, Catherine, remplis bien. Remplis bien ton tube. Stéphane, c'est très important que tu donnes les indications. Remplis bien complètement le tube, hein. À fond, hein. Sur le dos, c'est peut-être plus simple. Et tu dois passer les obstacles sur le dos, c'est plus facile. Dessous, voilà, c'est plus simple. Voilà. Et surtout la paume des mains et qu'elle fasse attention. Surveillez bien sûr la tête. T'as le temps. Vas-y, t'as le temps, vas-y. Applique-toi. Elle n'a pas tellement le temps. Je ne suis pas sûre que... Mais elle a pas le temps. Là, vraiment, elle n'a pas le temps. Vous avez qu'une seule tête. On va pas être pessimiste. Encourage-la, Stéphane. Encourage-la. Allez, allez, allez. C'est bien, t'as bien gardé l'eau, là. Et quand tu verses l'eau, tu le verses doucement. Fais attention en versant l'eau, vas-y doucement, doucement, pour ne pas en perdre. Prends pas de temps à ce moment-là. Allez à côté de la porte si vous voulez lui parler. Parce que c'est des cellules où on n'entend pas beaucoup ce qui provient de l'extérieur. Elle est loin. Doucement. Tout doucement. Doucement, c'est délicat. Alors là vous avez un... Là vous avez un choix à faire et à mon avis il est déjà fait d'avance. Allez, sort. C'est de lui dire de sortir ou de refaire un trajet. Tu dois sortir. Sors, Catherine, sors. Laisse tomber le cube. Sors. Allez. Pas facile. Bravo. Bravo. Alors au pire, c'était pas le problème. Non, le problème c'est de le garder. C'est de garder l'eau. T'as perdu beaucoup d'eau sur le premier trajet. J'ai perdu beaucoup d'eau sur le projet. Sur le premier. Et aussi, ce qui m'a porté à mon avis, c'est que le premier, j'avais pas vu le niveau. Et t'avais pas beaucoup rempli le problème. Il était pas rempli. Il était à moitié. J'en ai vidé beaucoup en cours de route. Mais là, on va s'inquiéter, on perd pas de temps. Allez, allez, allez. Je suis désolée, mais là, ça commence à être grave. Bon, 1 sur 4, on est dans la moyenne. Allez, on y va. Bébé. C'est tout sur café. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Analysons la situation, réunissons-nous en cabinet restreint. Quel est le problème, d'après vous? Merci Richard. Eh bien, c'était pas mal. Non, on va dire qu'il vaut mieux mal commencer et bien terminer que l'inverse, d'accord? On va partir de cette optique-là. Toi, tu as la haute toi. Et on est là pour faire plaisir. Pour lui faire plaisir à elle? À nous? À vous, oui, d'accord. À l'association. À l'association, bien sûr. Bon, dans cette cellule, vous allez voir que, contrairement à ce que l'on peut penser, dans le fort, on entre dans un endroit, on a toujours peur de tomber sur une mauvaise surprise. Eh bien là, c'est tout le contraire. Ce sont que des mauvaises surprises qui vous tombent dessus. J'ai besoin de Salomé. J'étais sûre. Et Olivier, venez tous les deux. Vous allez voir à quel point cet endroit est charmant. Et là, on a besoin de la clé. Attention. On peut plus rigoler. Sérieusement, maintenant, concentré. Et on a absolument besoin d'une clé. Pas dans cette cellule. Ce que tu veux. C'est parti. Allez. Bon, allez, vous êtes potes dans la vie, donc vous vous connaissez bien. Cohésion totale, la première chose, Salomé sur les épaules d'Olivier. Richard. Sur les épaules. Il faut que Salomé se mette sur les épaules. Salomé sur les épaules. Salomé, attendez. Salomé sur les épaules d'Olivier. Prends-la, mais sur les épaules. Sur les épaules. Bon, voilà. Sur les épaules, elle prend le petit bâtonnet. Elle prend le petit bâtonnet. Le bâtonnet, voilà, et elle tape sur les cases. Là, voilà pour ouvrir sur les petits points blancs. Normalement, il y a sur des petits... Sur le point blanc. Voilà, exactement. Il faut qu'elle vise bien. Vise bien, applique-toi. Hein. Voilà. Allez. Plus fort. Plus fort. Aïe. Peut-être avec le côté. Voilà, très bien. Allez, on recommence. Qu'ils avancent un petit peu. Qu'ils essayent d'avancer peut-être de 2-3 boîtes. Ils avancent de 2-3 boîtes. Avancez de 2-3 boîtes. De l'autre côté, au fond de la cellule. Au fond, au milieu. Ouh là là.
Un autre conseil très important, quand vous sortez de la cellule, vous vous écartez tout. Mais pourquoi vous avez ouvert la rouge? Vous êtes rouge, c'est pas drôle. Vous allez atterrir chez les tigres. Bon, bravo quand même. Hein. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous voulez une bonne nouvelle? Une très très bonne nouvelle. Vous prenez pas de douche et vous restez comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Vrai, c'est du sirop. Hein, bon, en fait, vous avez perdu du temps parce que vous n'avez pas compris ce qu'il fallait faire, que Richard vous a dit de pousser la paille. Et c'est pour ça que je disais de rien dire. D'accord, maintenant vous m'écoutez. Hein, voilà. On te suit passe-partout, là, on a plus... Ils ont été courageux. Ils n'ont reculé devant aucun sacrifice. Ils sont morts. Mais ils n'ont récupéré aucune clé. Voilà. Bon, bravo quand même. Fais un bisou, s'il te plaît, c'est pas du bonjour. Bravo. Bien, alors la seule chose, c'est qu'on rigole, on rigole, mais moi je rigole assez peu quand je pense à l'association, puisque pour le moment, nous n'avons donc toujours qu'une seule clé, ce qui est loin de faire nos affaires. Pour cette épreuve, j'ai besoin de quelqu'un, j'espère que je ne vais pas me tromper, qui a le sens de l'équilibre, qui n'a pas froid aux yeux, et dont le prénom commence par un S. Eh, moi je crois que ça s'impose. Il y a Marc Stéphane allez, qui remplisse toutes ses qualités. Attention Stéphane. Allez. Bonne chance. Voilà, c'est parti. Allez Stéphane, mange. Toi, je te laisse respirer. Tu veux Olivier ou tu veux lui donner des indications? Richard, mettez-vous contre la porte. Voilà, il a compris. Il faut qu'il, qu'il utilise le tonneau. Voilà. Prends le tonneau et tu avances. Et qu'il avance tout doucement. Il a repéré la clé, je pense. T'as il va se diriger avec le tonneau vers la clé. Tout doucement, il a des un obstacle. L'obstacle, c'est la corde. Hein. Voilà. Alors, s'il n'y arrive pas, il est automatiquement, il doit recommencer à zéro. Il peut prendre un petit peu d'élan. Prendez l'élan pour passer la corde. Voilà. Son corps en avant. Toujours en avant le corps. Toujours en avant le corps. Ça lui permet d'avancer. Allez, surveillez la clé poussée. Là, ça va, maintenant. Ce serait vraiment bien. Allez. Ouais. Ça, c'est une tactique comme une autre qui est pas mal. Pousse, le corps en avant. Voilà, qu'il avance, le corps en avant. Oui. Le corps en avant. Alors, il faut que tu prennes beaucoup d'élan. Steph, croise-toi dans la corde qui se coince dans la corde. Bon, alors, tu recommences, Prends beaucoup d'élan. Et qui coince ses pieds, là, dans les... pas mal. Oui. Alors, maintenant, qu'il bouge. Voilà, est-ce qu'il peut attraper la clé, là? Son corps en avant. Le corps en avant. Il a le corps en avant. Permettra d'avancer parce que c'est légèrement. Le corps en avant, voilà. La tyrolienne est légèrement en avant. Légèrement corps en avant. Il peut y arriver là, Allez, il peut y arriver. Tu t'en fous du tonneau avec une main. Allez. Attends, implique-toi. Doucement. Oui. Il l'a en main, tu la gardes. Oui, allez, reviens. Il sort, il n'y a pas besoin qu'il peut sortir. Bravo! Comment t'as vécu l'épreuve? Je commence à avoir un peu mal au bras quand même. C'est vrai? En fait, trouver le système pour faire avancer le tonneau, c'est pas super évident, mais bon, ça va. Et après, t'as trouvé le système? Avec les pieds, il a fallu que je reparte plusieurs fois en arrière, reprendre de l'élan, et puis voilà, mais c'était pas super simple. Mais là, t'es un petit peu un héros. T'avais encore du temps. Parce que tu nous ramènes une deuxième clé à un moment donné où on commençait à avoir très peur. Passe-partout, on enchaîne, parce que là, on a quand même encore beaucoup de boulot. Il reste 5 clés à récupérer. Ah, duplex. Oui, Sarah, en effet, deux clés, c'est bien sûr loin d'être assez. Et il y en a une troisième peut-être là, à la clé. Oui, une clé à la clé. Avec la vigie, le Perfoura attend. Richard, si tu pouvais, avec passe-temps, partir donc vers le Perfoura et vous venez me rejoindre ici au camp. Allez, tu suis passe-temps et nous, on va aller te regarder au
Alors, vous savez qu'il y a une devise très célèbre qui dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Eh bien, si jamais Richard devait échouer dans sa quête de la clé avec le père Foura, c'est Olivier qui va aller s'équiper pour récupérer la clé au filet, si jamais, bien sûr, Richard devait ne pas... Ça va le laver. Mais à mon avis, Richard va trouver la clé. C'est pas mauvais. Ne doutons pas de cela. Nous allons... Viens, Stéphane. Bravo encore. On va regarder maintenant ce que Richard... Ah non, le code de la vigie, hein, mon petit Richard. C'est plutôt raide, n'est-ce pas? Coucou, voilà, bien. Dites-moi, moi je suis souvent le premier en haut. Ouais. Je pense que je devrais me faire une toge à pois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une toge à pois? Oui, non. Un maillot à pois? Ouais, non, bon. Ouais. Bon. Écoutez, voici la prime. Ouais. Et encore une petite bosse à franchir, n'est-ce pas? J'espère qu'elle est facile. Hein, restez en selle et puis allons-y. Vous êtes concentré? Ouais. Vous avez l'air un petit peu dissipé, Richard, non? Allez-y, je suis concentré, mais trop bon, peut-être. Bon, alors décontractez-vous, je vais m'efforcer de vous faire rire. Écoutez bien. Son nom signifie l'union. Elle rappelle aussi un avion qui ne décollera jamais plus. À Paris, c'est une place connue. Qui est-elle? Je répète, son nom signifie... Place de la Concorde. L'union, mais oui, place de la l'union, Concorde. Ben voilà qui est-elle, la Concorde. La Concorde désigne une entente entre deux personnes, et bien entendu, c'est le nom de l'avion supersonique. Qui ne décolle plus. Voilà, en 2003, c'était terminé. Baladé, hein. Et puis la Concorde, ben, c'est ça qui a été le déclencheur pour vous, c'est tout la fait. Place. Oui, bon, ben écoutez, vous repartez pas bredouille. Eh non, hein, ben, je crois qu'il va être content de moi. Hein. Voilà, c'est très difficile de descendre un grand peu, hein, n'est-ce pas? Allez, descendez. Merci, hein. Bien, allez, on court. Allez. Eh bien, comme quoi il faut toujours faire une place à la Concorde. Ne perdons pas de temps, c'est une troisième clé. Nous allons pouvoir maintenant envisager plus sereinement les choses, quoique le temps presse néanmoins. On suit passe-partout tout de suite. Allez. Il n'y a que trois clés, il en reste quatre à récupérer. Bon. Bonne chose, on n'a pas de prisonniers. On a trois clés. Tu nous confirmes passe-partout, il en reste quatre à récupérer. Peut-être une là. Peut-être. J'ai besoin pour cette épreuve de quelqu'un qui puisse nous faire le remake de La Grande Évasion. Donc plutôt une candidate, ce serait plutôt sympathique. Tiens, Salomé. Voilà, même si pour le moment, t'as plutôt le profil de Vampirella, mais on ne sait jamais. Voyons ce que ça va donner. Présente-moi ton poignet. Celui-ci. Voilà. Attention, ne te blesse pas. Ça va, c'est bon? Bonne chance. Salomé, allez. Écoute bien les indications. Allez, c'est parti. Si tu sors pas de là, t'es prisonnière. Donc écoute bien. Olivier, tu allez, te mets parti, vas-y, vite, à côté, Salomé, à côté de la cellule. Pardon. Elle a une menotte. Elle doit coulisser sa menotte tout au long du tuyau. Oh, c'est dans du truc. Voilà, là, elle doit dévisser. Voilà, là, elle doit dévisser, tu vois. Dévisse pour faire coulisser la menotte. Voilà, très bien. Avec une seule main. Et voilà, ça suffit. Ah, bâtard. Allez, donc elle, voilà, très bien. Salomé, ne dis pas de gros mots, allez. Avance. Voilà, elle continue comme ça. Elle se concentre bien. Elle suit le tuyau. Elle dévisse quand il faut dévisser. Sinon, elle tourne la menotte de façon à faire tilisser. C'est très bien. La clé se trouve au bout du tuyau. Super. Regarde un peu avant pour savoir dans quelle sorte. Bravo, Richard. Tu peux donner ta clé à Salomé, là. On se concentre sur Salomé. J'aille là-dessus. Ne sort pas les prisonniers. Attends, et tourne. Faut qu'elle tourne. Vas-y, voilà, bon, très bien. En haut. Oui, en haut. Coulisse. Là, il y a un truc à enlever? Non, tu dois passer sur l'autre côté. Il faut qu'elle tourne. Il faut que tu changes. Tourne dans l'autre sens. De l'autre côté. Voilà. Comment je passe là? Si, voilà. Bien. Mais là, elle perd du temps. Elle se dépêche maintenant. Elle a pris le. Là, on est dans la chaufferie du fort. Ça, c'était pour la petite info, pour dire qu'on est aussi. Allez, Salomé, tiens. Allez, encore un peu, Salomé. Ouais. J'ai le temps ou pas? Ah,
c'est qui veut pas se libérer? Non, t'es enfermé, c'est le mec. Elle pouvait pas se libérer. Bon, elle est prisonnière. Soit elle arrive au bout, soit. Ça fait ce que t'as vu, Salomé. Allez, bravo, Salomé. On est désolé, on va te. À demain, Salomé. Chérie, chérie, t'es prisonnière, mais ils vont venir te libérer ce soir. C'est super. Je sais pas, on va essayer de te libérer. Bon, allez, laisse-moi bien débrouiller, j'étais presque à la fin. Parce qu'on peut lui donner de l'eau. Tu veux du saucisson ou de l'eau? Bon, faites-lui des baisers et on suit lui passe par contre, s'il vous plaît. A tout à l'heure. Des baisers, vite, on suit passe par contre. Allez, on y va, on commence. La situation est grave, mais pas encore totalement désespérée. J'ai perdu ma soeur. Allez. Pas complètement. On va sans doute essayer de la libérer cette nuit. J'espère. Mais oui, bien sûr. C'est en effet une bien mauvaise nouvelle qui est tombée là-dessus, sur cette histoire, parce qu'une candidate en moins, c'est bien sûr deux bras en moins pour les épreuves qui vous attendent encore. Le temps coule également. Ne perdons donc pas une seconde supplémentaire pour cette épreuve. J'ai besoin d'un homme. Un vrai. Un homme. Maillard. Ok. C'est pas moi qui dis que c'était un vrai. Hein. C'est Catherine. Maillard, viens, présente-toi devant la porte. Je te dirai simplement, pour t'aider un peu pour la recherche de la clé, sac, corde, lustre, clé. Et bonne chance. Donc, attention. Clé, tu rentres. Je suis pas sûr que ça l'aide vraiment. Hein, enfin, dis bon. Rien, parce que tout à l'heure, c'est des bêtises. Maillard, allez. Est-ce que tu as vu la clé? Il a vu la clé. Bon, il a vu la clé. Donc c'est un petit peu... Je vais expliquer parce que c'est quand même une nouvelle cellule de notre grand cru 2005. Voilà, il doit passer le nœud, un petit peu comme dans les films de sac et l'épée. Dans le lustre. Dans le lustre. Fais quoi, les gars? Essaye de coincer le nœud. Voilà, il doit lancer un petit peu comme Zorro. Tu dois le lancer pour qu'il... Ça serait peut-être mieux, Olivier, dis-lui de porter le sac. Mets le sac sur ton épaule. Plus haut, tu vois. Essaye de porter le sac plus haut pour avoir plus de longueur de corps. Il peut le mettre à sa poitrine, comme s'il portait un bébé. Prends-le comme si tu portais un bébé. Il a un bébé. T'as un bébé, Maillard? Non, justement. Allez, c'est pas rapporté dans les bras. Voilà, dans les bras. Sur l'épaule. Donc ça, c'est la... Ouais, exact. Bien. Ça, c'est la première partie. Hein. Une fois qu'il aura réussi à coincer la corde dans le lustre, il devra grimper à la corde. Donc je le coince. Récupérer la dans l'anneau, voilà. Donc, c'est difficile. Il y a deux méthodes, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Essaye de l'intérieur. C'est vrai que le sac est très lourd. Mais sur le côté, pas au milieu. À sa décharge. Ah, sur le côté, merci, ouais. Voilà, sur le côté, comme ça. Voilà, un peu plus haut, le sac. Mais ça, il a compris. Là, il tombe à l'extérieur. Prends le sac par-dessous. Allez. Non, mais c'est sûr qu'il faut qu'il s'avance. Il peut essayer sur l'épaule. Essaye sur l'épaule. Voilà, comme ça. Il voit plus rien. Allez, encore, reste encore. T'as besoin d'un tout petit peu de temps. Vite, s'avance un petit peu. Il faut dire que c'est la partie compliquée de la cellule, parce qu'une fois qu'il a réussi ça, après, il peut être... Oh, Allez, encore longtemps. Presque. C'est pas la dernière partie, là. Non. Ah, la chasseur, j'aurais du tout envie qu'on est prisonnier, mais là, on est vraiment mal barré, hein, s'il arrive pas à voir. Allez, allez. Ça va être long, là, hein. Tu as vu Zorro à la télé, dépêche-toi. Sors. Il peut pas sortir, c'est une cellule à prisonnier. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Continue. De vous préciser, je suis vraiment confuse. Bon, vous avez deux prisonniers, trois... Non, mais là, ça va pas du tout. Dites-lui au revoir. Il va rejoindre Salomé et on suit Pascal. Oh là là, on est pas à tout à l'heure. Olivier, c'est comment notre devise? Ça va, oui. 1, 2, 3, pour les enfants, ayons du cœur. Ça ne va pas en s'arrangeant. Ah non, là, on n'a pas de clé. Ça ne va pas en s'arrangeant, on a perdu encore. Maintenant, c'est un homme. Et pas de candidat, enfin. Maya n'est plus avec nous. Deux prisonniers et il nous manque encore quatre clés. C'est 2, 3, 4. C'est bon. Bon, très bien. Le mental, hein, on voit que le mental est important. Gardez-le en tout cas au maximum. Sachez simplement que le problème, s'il vous manque des clés, vous allez devoir faire d'autres prisonniers, des sacrifices. Là, il y en a déjà deux. Hein. Plus il y a de prisonniers, bien sûr, moins il y a de gens pour la nuit pour essayer de les libérer. Voilà. Ça risque de vous pénaliser énormément. Restez donc concentrés dans cette cellule.
La clé est en hauteur. J'ai donc besoin d'un grand, d'un spécialiste, de la montée, un bon grimpeur. Je me suis dit, un champion, cette fois, maillot à poids, c'est pour Richard. Bien, c'est bon, Richard. Richard. Attention, ouais, tu le touches pour, qu'il, pour que tu y portes chance, en fait. Je te donne des bonnes ondes. La clé en hauteur. Amène-nous une clé, là. La clé en hauteur, Richard. Donc tu me parles, si je comprends attention. Pas, tu me dis où c'est. Hein. Ouais, ouais. Richard, c'est parti. Bon, c'est le mur. Allez, Richard. C'est-à-dire qu'il va devoir grimper sur un mur qui glisse, hein, comme tu vas devoir, tu vas devoir monter sur le mais mur. Il a des prises qui vont l'aider à atteindre la clé. Est-ce que déjà il a repéré la clé qui se trouve la clé en haut? T'as repéré la clé, Richard? T'as la clé? Est-ce qu'il a repéré déjà? Est-ce que t'as repéré la clé, Richard? Ouais, mais attends. Alors, c'est vrai qu'il faut porter sa voix est-ce sur cette clé. Est-ce que tu l'entends, Richard? Alors, il y a deux tactiques, Olivier. Soit il va très vite, un petit peu comme une araignée, parce que l'élan va lui permettre d'accéder voilà, en haut sans glisser. Soit il va très lentement, il utilise les prises. Il peut faire comme il fait actuellement, c'est-à-dire se servir un petit peu du mur et évidemment des prises qui se trouvent sur ce mur. Il faut vraiment qu'il arrive à décrocher cette clé. C'est très important, là, l'heure est grave. Je ne sais pas si c'est bon faire. Richard, prends le temps de regarder les prises, mais il faut que tu ailles assez vite. Je suis obligée de lui mettre la pression, c'est pas possible. Il reste 4 clés. On a déjà perdu. Allez, allez, tu l'as. Oui, presque. Oui, c'est bien. Continue comme pose ça. Bien tes pieds. Tu vois la clé? Tu peux aller vite, tu la vois la clé? Oui, il la voit, mais est-ce qu'il l'atteint? Oui. Joué. Bravo, Richard. Alors maintenant, il la prend, il glisse, il ressort. Tu dois juste glisser jusqu'en bas et ressortir. Allez. T'as du temps? Bon, il nous en a eu deux, Richard, quand même. Hein. Allez, il faut qu'il sorte vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est perdu dans le couloir ou quoi? Perdu. Ouais, bravo. Je suis très contente et tu mérites ta réputation de meilleur grimpeur. Bravo. On va pas parler, on se quitte là. On se dépêche vraiment parce qu'il nous reste quand même 3 clés à récupérer. Bravo, Richard. Allez, bravo, Richard. Mais la situation reste grave et inquiétante. Malgré la situation, je vais te dire quelque chose. Mais dis-moi. Ils ont le moral et une pêche d'enfer. Oh, et ça, c'est un 1, 2, 3 pour les enfants. Allez, ayons du cœur. T'as vu, ils sont au taquet. À fond. Ouais, très bien. Olivier, venez par ici. Ah, merde. Oh, pardon. C'est taquet du cœur. Bon, entre Olivier, on ne se cachera pas les choses. Jules Verne a écrit Le Tour du Monde en 80 jours. Oui. Il commence à flipper. Eh bien, ici, sache que ton tour du monde à toi va durer le temps d'une clepsydre, simplement. Voilà. Alors, amène-nous un beau souvenir, pas une carte postale, pas un bibelot, rien, non, une clé. C'est pas mal, d'accord? Allez, par ici. Hein. Allez, vas-y. Bonne chance, Olivier. C'est parti. Allez, Richard, tu te mets contre la porte, tu donnes les informations. Olivier, c'est une cellule à prisonnier, tu peux lui dire. La clé qu'il va récupérer va lui servir pour la salle de trésor, évidemment, mais surtout pour sortir de cette cellule. Alors, donc, écoutez. Helsinki. Macao. Très bon réflexe. Ok, là, j'ai pas vu, je m'en fous. Vous regardez les noms qui sont inscrits sur les panneaux. Hein. Mais il doit se diriger. Crie bien les noms. Barcelone. C'est à vous de dire les noms, c'est pas à lui. On les voit pas tous. Amsterdam. Je crois que c'est Brésil, mais j'ai pas bien lu. Halifax. Les sort pas tous, hein? Non, il les sort pas tous. Et il les noms. Voilà. Il y a un truc dessus, je vais l'ouvrir. Richard, je sais que c'est important qu'il faut pas. Il y a un truc dessus, je l'ouvre ou pas? Il faut quand même lui donner. Ouvre le coffre. Maintenant, il va y avoir quelque chose. Qui l'ouvre? Chicago. Ouais, tu l'as sorti, Chicago. La première, c'est en Amérique, Chicago. Sur sa droite, il l'a balancé, je crois, sur sa droite. Sur la droite. Ok. Il l'a, génial. Allez, hein, on y croit. J'ai le temps ou pas? J'ai le temps. Ah, c'est bon. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut, là. Dépêche-toi, ça va fermer. Non. Vite. Ah mince, c'est écrit Melbourne. Melbourne, si vous l'avez pas vu, c'est qu'il est dans le filet. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce qu'il l'a vu? Donc c'est qu'il doit être dans le filet. Va dans le filet. Moi je l'ai pas vu. Retourne dans le filet. Essayez de regarder. Là on voit pas Bangkok. Moi je vois Bangkok. Ok. Il l'a. Vite. Non, il l'a pas. Cap Town. Non. À sa gauche j'ai un fou. Il a pas beaucoup là. Là. Mani, Melbourne. Melbourne, il l'a. Allez. Allez.
Et il faut espérer. Allez, attends, c'est bon, encore le temps, mais dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Ok, c'est ok. J'arrive. Ok, Zanzibar. Zanzibar, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, Zanzibar? On l'a pas vu, hein. On l'a pas vu. Zanzibar, vous l'avez pas vu? Non. Il y en a qui l'ont pas vu. Non. Je vais regarder derrière. Il faut qu'il sorte là. Non, mais non, non, allez, concentre toi, hein. Il est là. Là, il est sur Zanzibar. Allez, qui se dépêche. Il peut l'avoir, il peut l'avoir. Dépêche-toi. Encouragez-le, il reste. Ouais, allez, j'ai la clé. Il l'a eu? Il l'a eu, génial. La porte, ouvre la porte. Ouais, ouais, ouais. Vite, hein. Ouvert. Allez. Gaffe, la clé, Génial, bravo. Je te sens pas dans les bras, je sais que t'as plein de tiens. Alors là, tu vas essayer. Je regrette que tu sois pas restée prisonnière. Bravo, belle performance. Mais on va pas perdre de temps parce qu'il nous reste encore combien de clés il nous reste? Passe-partout 2. Tu dois récupérer. Allez, on dépêche. On commence à remonter petit à petit la pente. Oui, petit à petit. Bon, très bien. Alors, doucement mais sûrement. Avec l'équipe qui nous reste, c'est-à-dire plus grand monde, j'ai besoin pour cette cellule de quelqu'un qui sache défoncer des portes. Stéphane, dis-moi un truc, quel est ton signe astrologique? Comment? Lion, pardon. Lion, ouais. Ah, ça c'est fâcheux parce que tu aurais été bélier, c'était quand même plus facile. C'était quand même plus facile. Viens donc te présenter devant la porte, s'il te plaît. Mais j'ai jamais été déménageur non plus. Tu vas voir. Bonne chance, c'est parti. Allez, vas-y, Stéphane, go. C'est une cellule de fou qui s'appelle l'asile. Il doit récupérer la clé. Est-ce qu'il l'a repéré, la clé? Ah bah, il a compris le système, déjà. Ouais, t'as compris, hein? T'as bon, hein? Absolument, il faut faire exactement ce qu'il fait. À savoir, manier le clé. T'en as cassé des portes, hein, dans ta carrière, hein? À gauche, un coup à droite, de façon régulière. Oh, la vache! Allez, encore! Vers le haut! Oui, toujours vers le haut. Très bien. J'ai rien à faire. Allez! Vers le haut. Ouais, tout le poids du corps vers tout le haut. Tout le poids du corps. Oui, très bien. Encore une fois, allez. Vers le haut. Ah. Vers le haut, il prend plus d'élan. Pas franchement. Bien. C'est un peu long. Tu rentres tonique dans la porte. Hein. Il est bon. Allez, rentre tonique. Hein. Il a le temps en plus. Oui. T'as la moitié du temps. Là. La clé est libérée, non pas encore. Je allez, allez. Un aller-retour. Oh, c'est bien. Ah. Va tonique dans la porte, hein, tonique, hein, bloc, dépêche-toi. Ah, la vache. Alors, il fatigue un peu, allez, peut-être tonique. Qu'il doit se reposer 2 minutes. Pas 2 minutes. Oui. Allez, allez, respire. Respire. Allez, vite, allez. Mais tu l'as, elle est sortie. Il peut la prendre, là, non? Non, là, il peut la prendre de l'autre côté. De toute façon, il doit s'en sortir. Ouais. Allez, on est d'accord. Allez. Ok. Stéphane, bravo. On est. Super, c'est d'ailleurs. Je suis démonté. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. On a une bonne nouvelle, on a une clé, mais la cloche a sonné. C'est la fin du temps réglementaire. Il n'y a plus de cellules possibles. On suit passe-partout et vous allez devoir faire un sacrifice. Réfléchissez à qui va aller en prison. Il nous manque combien de clés? Une clé, hein? Oh là là, c'est rapide là. Hein. Qu'est-ce qui court vite cette année? Passe-partout, c'est pas possible de courir aussi vite. C'est une flèche. Bon, alors, faisons le bilan. Passe-partout. Il y a exactement 6 clés. Il nous en faut 7 au total. Résultat des courses. Vous savez, dans la vie, quand on n'a pas la clé, on reste à la porte. Ici, quand on n'a pas la clé, on va au cachot. Ah. Qui est volontaire? Ça okay. Ressemble à quoi, le cachot? Tu t'imagines un cachot? Oui. Eh bien, c'est pire. Voilà. Oui. Je vais y aller, moi. Non. Olivier? Non. Qui? Non, qu'est-ce qu'il nous reste comme épreuve derrière? N'oubliez pas qu'il y a la nuit à faire après. Oui. Il faut des hommes forts. Il va y avoir donc 3 prisonniers à libérer. Voilà de la force. Il faut Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aille. Parce que s'il y a un truc un peu physique. Pas très classe, mais. Non, moi je préfère. Non, plus, attends, c'est très classe, mais. Non, mais c'est une équipe. C'est Catherine. Attends, quand il y a un truc super physique à faire, ça sert à rien de se précipiter. Il vaut mieux faire. Laisser. Je sens que tu aimes le danger, le risque. Qu'est-ce que tu veux? La sagesse, surtout la sagesse de la navigatrice, c'est surtout ça. Je voudrais visiter les cachots. C'est vrai. Je pense qu'elle a un ticket avec la boule et qu'elle voudrait voir si. Voilà, passe-partout et passe-temps. Ouvrez le cachot, s'il vous plaît, Juliette.
Oula. La boule te remet maintenant Catherine, en échange de ta présence auprès de lui, la clé qui vous manque. Allez la boule, allez. Olivier, tu veux pas y aller? Ah. Et je vais le donner à passeport. Encouragez Catherine, merci, merci, merci quand même. Merci. Eh bien, elle va certainement vivre des moments difficiles. Allez, allez, ne perdons pas de temps. Et peut-être à tout à l'heure, Catherine. C'est Catherine. C'est Catherine. Amuse-toi bien. Compte sur vous, les gars. Ouais. Instant, tu peux refermer les oubliettes. Vous n'êtes plus que trois. Aïe, aïe. Allons maintenant devant la salle des préférés. Ne perdons pas de temps. Vous avez dû certainement penser que c'était le jour le plus long de votre vie. Soyez rassurés, dans quelques heures, ce sera sans doute la nuit la plus courte sur le fort. Vous avez donc là maintenant, distribué par passe-partout, l'ensemble des 7 clés. Vous allez donc déverrouiller la porte de la salle du trésor. Et puis je vous parlerai de ce qui vous attend pour cette nuit. Allez-y, procédez et ouvrez. Chaque clé, hein. Chaque clé a sa serrure. Très bien, parfait. Revenez à vos places. La porte est maintenant déverrouillée, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'elle soit ouverte. Heureusement d'ailleurs pour nous, puisque les tigres sont encore en train de protéger le trésor. Cette nuit va tomber maintenant dans quelques instants. Une fois que le fort sera dans l'obscurité la plus totale, c'est Passe-Muraille qui viendra vous chercher dans votre lieu de vie. Et je vous expliquerai à ce moment-là ce qui vous attendra. Auparavant, le mieux peut-être maintenant que vous reposiez un peu. Une bonne douche. C'est Passe-Partout qui va vous mener jusqu'à vos quartiers. Bravo néanmoins, parce que ça n'a pas été simple, je sais. Vous avez gardé un bon mental et puis surtout, rien n'est encore joué, les aventures demain. Donc restez bien tous ensemble et solidaires et à tout à l'heure. Au revoir. Oui, et à tout de suite, en ce qui me concerne. Ah oui, tu vas les rejoindre. Et je vais les rejoindre. Très bien. Ça a été dur, hein. Oui, j'ai eu très peur à un moment donné. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que souvent, des épreuves qui n'ont pas été bonnes donnent des aventures particulièrement brillantes. Oui. Enfin, pourquoi pas ? J'aurais bien de le dire. Non, mais ils ont un moral. Et ça, c'est très important. Parce que c'est rare de se retrouver avec seulement trois candidats et un moral aussi fort. Moi, je vais les retrouver. OK. Allez, à plus tard, Olivier. À plus tard. On est où, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, là, on est rentré chez l'habitant. C'est l'habitant du fort. Je crois que c'est chez nous, non ? Oh, c'est cool, ça. Attends, mais c'est pas... Oh, ah ! Non, c'est votre lieu de vie ici. Il faut garder du jus. On se calme. Ici, vous allez vous reposer. Bon, d'accord, c'est... ça vous l'avez compris. Donc, vous dormez sur les lits. Ouais. D'accord, venez, suivez-moi. Non, pas tout de suite. Je vais me reposer maintenant. Ça sera après. Là, vous vous reposez, vous avez compris, c'est là que vous allez dormir. Là, c'est là où vous allez vous restaurer. Il faut bien avoir en tête que le repos est essentiel. Vous avez trois prisonniers, c'est très rare sur le fort d'avoir trois prisonniers. Si vous arrivez à les libérer, en tout cas, il faudra être là pour les réconforter puisqu'ils sont en train de vivre des moments très difficiles et je ne mâche pas mes mots. Santé, alors moi je propose. Avant de vous laisser, j'ai quand même quelque chose. Richard, qui t'est destiné. Aïe, aïe, aïe. Il y a sur le lit au fond un paquetage. Je vais vous laisser, donc tu auras tout le temps pour l'ouvrir. Merci. Allez, au revoir. Et moi, je vous retrouve demain. Ciao. Bonne nuit. Déjà, c'est lourd, ça m'inquiète. Ah ! T'as du mal à lire ? Non. C'est en anglais ? Aïe, aïe, aïe. Oh non, non. C'est pour la plongée, je vais devoir plonger. Je vais devoir aller chercher. Ça bouge pas à l'intérieur, non ? C'est la combinaison. Oh, là, je suis mal barré, là. Dans la nuit, l'équipe doit affronter les maîtres des ténèbres lors des duels du Conseil. Seuls les duels gagnés libèrent un prisonnier. Mais si les candidats n'en remportaient pas suffisamment, ils seraient contraints de choisir quel prisonnier ils laisseraient dans leur cachot jusqu'à la fin de l'émission. Cruel dilemme. Mais avant, les candidats doivent récupérer le cristal qui ouvre la porte du Conseil. Pour cela, l'un d'entre eux ira chercher un code secret au fond de l'eau, dans les entrailles du fort.
Approchez-vous. Soyez les bienvenus à la porte du conseil. Trois valeureux Bonsoir. Aventuriers. Exact. Bon. Est-ce que vous êtes bien reposés quand même ? Rassasié, reposé. Bon, très bien. La nuit va encore être un peu longue pour vous. Vous allez dans un instant donc essayer de libérer vos prisonniers. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais pour le coup, il vous faut d'abord ce cristal qui se trouve devant vous. Et ce cristal est pour l'instant emprisonné. Pour le récupérer, il vous faut un code à trois chiffres. Richard, tu es en tenue. Et ce n'est pas pour rien, car ces trois chiffres sont cachés dans la caverne inondée. À toi donc de plonger et de les récupérer. Bon. Et un bain de minuit sur le fort. Allez, Richard. C'est pas une belle idée, ça ? Suis passe-muraille. Bonne chance, Richard. Nous concernant Stéphane et Olivier, voici ce qui va se passer. Une fois que le cristal sera libéré, vous le placerez immédiatement dans la tête de tigre. La trappe s'ouvrira et l'un de vous pourra me rejoindre à l'intérieur du conseil. La difficulté réside dans le fait de trouver ces chiffres le plus vite possible. Vous avez un temps qui est très clairement défini. Au-delà de ce temps, le maître des ténèbres commencera à retourner le sablier. Et toutes les 30 secondes, vous perdrez la possibilité de réaliser un duel. Et donc, perdre une occasion de libérer l'un de vos prisonniers. Vous suivrez, regardez, les pérégrinations de Richard sur cet écran. Vous pourrez lui parler directement à l'intérieur de ce puits. Soyez clair dans vos indications. Rapide, et puis j'espère vous retrouver dans un instant avec les maîtres des ténèbres dans la salle du conseil. Bonne chance à tous les deux. Merci. Et à tout à l'heure. C'est quand il sort la tête de l'eau qu'il m'entend, je pense, non ? Le 7 ! Le 7 ! Le 7 ! C'est bon ! Je lâche le numéro ! 7, hein. Ouais, mais on doit le Je le mets déjà, et comme ça. Allez, 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 allez! T'es super beau en plongeur! Allez, vas-y, Richard! Le 9 ? C'est le 9, ouais. C'est le 9, c'est bon ! C'est bon ! Mais on ne voit pas grand-chose, nous ! Il n'y a pas le coin là, Richard. C'est bon, le 3, on les a. C'est bon, Richard, merci. Messieurs, bonsoir. Toujours aussi accueillant. Olivier, rejoins-moi. Bienvenue au conseil, Olivier. Merci. Bon, avant toute chose, bravo, parce que vous avez été très performant pour récupérer les chiffres du code. Il y a donc trois prisonniers, inutile de te le rappeler. Il y a donc trois mallettes sur les quatre qui sont activées. Choisissant une pour ouvrir l'un des cachots. C'est Salomé qui est en train de sortir de son cachot. Qui va donc emprunter le souterrain. Donc je rentre là-dedans. Allez, gêne-toi. Par où je passe ? Non, elle monte ! Non ! Non, elle monte, c'est même pas un rêve ! Allez, j'y vais, parce que merde. Ouais, maman. Là, j'ai peur. Allez,
Sarah, je te déteste. T'as intérêt à me filer toutes tes fringues. On pense au gamin qu'on va opérer grâce à ce qu'on va récolter. Je peux le faire. Ok. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Je t'en prie. Te voici face à des cartes. Au revers de chacune de ces cartes se trouvent des symboles d'animaux. À toi, comme au maître, à récupérer des paires d'animaux. Le premier qui a composé ces trois paires a gagné le duel. Trois paires. C'est toi qui commences. Tu retournes deux à chaque fois, bien sûr. Ah, tu as un leurre et le serpent, ça ne marche pas. Tu peux les retourner à nouveau. Le leurre, je dois pas le recomposer. Hein ? Non, mémorise bien tout ça. Bien joué. Non, va-t'en, je vais t'écraser. Non. Putain, je vais être obligé de les toucher, c'est ça. Première paire pour Olivier. Attention, si tu ne gagnes pas ce duel, ton prisonnier ne sera pas libéré. Raté pour le maître. Très bien joué. Et non, maître. Elle n'est pas bien mémorisée. Olivier, à toi, tu peux faire comme ça. Troisième. Remarquable, ouais. Parfait. C'est ce qu'ils appellent une déculottée, maître. T'as pas d'animaux ? Olivier, bravo, félicitations. Merci. Tu vas pouvoir maintenant quitter le conseil. Tu demandes à Stéphane de me rejoindre, s'il te plaît. Il sera aussi performant. Espérons-le. Bienvenue au conseil. Pour le moment, ça s'est plutôt très bien passé. Olivier a gagné le premier duel. C'est Salomé qui est sortie du premier cachot. Elle a un peu de peine avec le souterrain qu'elle doit emprunter. Il reste encore donc deux prisonniers dans deux cachots. Choisis une des manettes. Deuxième cachot ouvert. C'est Maillard qui vient de sortir. Espérons que ça se passe un peu mieux pour lui. Bon, Catherine, j'y vais. À plus tard. Tu vas où ? Je m'échappe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est petit. Comment c'est ? Oh, il y a plein de rats, Berk. Ah, non. Oh. Je vois pas faire pour s'échapper de là-dedans. Ça pue, ça pue. Ça y est, je suis coincé. T'es coincé, mais comment t'es passé, moi ? Ah, ça pue. Ah, dégage. Ah, pff. Ah, je vais pas passer. Bah, dégagez, ils ont faim. Ah, dégagez, ils ont faim, là, ces enfoirés. Ah. Ils sont en train de bouffer ou quoi? Aïe. Ah non, mais ils ont faim. Et vite, poussez-vous. Ah, Berk. Je demande le jeu. Bien, Stéphane. Ça demande beaucoup de concentration et d'agilité. Vous allez, chacun à votre tour, c'est toi qui commenceras. Placer une pièce dans ce verre. Le premier d'entre vous qui fait couler le verre a perdu le duel.
Bonne chance, messieurs, jouez. On a le droit d'équilibrer le verre avec l'autre main ? Non. À devenir critique. Qu'est-ce qui se passe, Maya? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, je peux sortir. Maya? Aïe, aïe, aïe. Aurais-tu réussi à piéger le maître ? Eh non. Sois vigilant, Stéphane. Une solution, hein ? Parfait. C'est remarquable. Désolé, maître, mais vous avez bu la tasse. Félicitations, Stéphane. Formidable. J'ai l'impression que la nuit vous inspire davantage que le jour. Au milieu de la nuit, c'est parfait. Ouais, très bien, parfait. Tu peux quitter le conseil maintenant et tu demandes à Richard de me rejoindre, s'il te plaît. Ok, merci. Alors, c'est bon. Bouge pas, toi, tu n'y bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Bienvenue au conseil, Richard. Et bravo pour ce que tu as fait dans la caverne inondée. Grimpeur, plongeur, cet homme a toutes les qualités. Tu vas devoir maintenant utiliser la dernière manette pour ouvrir le dernier cachot. C'est celle-là ? Celle-ci. Ah, je la fais venir. Et c'est bien Catherine qui maintenant quitte sa prison. Elle n'est pas encore au bout de ses peines. Elle va donc emprunter maintenant de souterrain pendant que toi, tu vas te confronter à un des maîtres des ténèbres. Mais la libération n'est pas encore totale. Pour ce faire, il faut gagner un duel. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Allez, les gars. Allez, on se pousse. On me laisse passer. Allez, on est des copains. On est des copains. On est des copains. Putain, poussez-vous. Ah, excuse-moi. Et alors là? Allez, et alors? Non, pas passe. Où est-ce que je peux passer? Pas là-dessous? Je demande le jeu. Viens, Richard. Approche-toi.
Ici, ici, devant le maître. Vous avez chacun un marteau. Le maître des ténèbres plante ici son premier clou. Il faut que l'un de vous deux, toi ou lui, ayez planté le clou jusqu'au bout dans la souche de bois pour remporter ce duel. Il en faut deux. Il n'y en a que trois. Bonne chance, c'est toi qui commence avec le premier coup. Bien joué. Premier clou pour Richard. Papa, il y a un trou là-haut. C'est là-dedans qu'ils vont passer ? Non, c'est pas possible. Les gars, c'est gentil, hein? Je commence? C'est toi. Très bien joué, tu as gagné ton duel. Tu peux. Non, jamais. Jamais. Ce sont les gens odieux. Je suis désolé. Richard, félicitations. En ayant remporté ce duel, tu offres ainsi à ton équipe la troisième occasion de libérer les prisonniers. Le reste, ce sera du bonus. Tu peux quitter le conseil maintenant. Et tu demandes à Olivier de venir à nouveau me rejoindre. Ok. Merci. Ah, t'as une clou ? Perdu. Mais j'ai gagné ! Où est-ce qu'ils ont crié, les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Putain, allez, gars. Je t'en vois, je pense. Non, c'est pas possible. C'est bon ? Et c'est quoi dingue, hein ? Ça va, c'est trop dingue. Tu vas donc, pour le dernier duel, te confronter à nouveau à un autre maître. Bonne chance. Ce sera du temps maintenant supplémentaire pour la salle du trésor. Très bien. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Je t'en prie. C'est aussi important que de libérer les prisonniers, puisque 20 secondes de plus dans la salle du trésor, c'est autant d'argent en plus pour l'association. Te voici maintenant face à ces bâtonnets. Vous aurez chacun à votre tour la possibilité d'en retirer un, deux ou trois, pas davantage, jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un. Celui qui s'empare du dernier aura perdu. Bonne chance à vous deux. Jouez ! C'est toi qui commence. Dans un instant. Bravo quand même. Maître des ténèbres, je n'ai rien à dire. Tu peux quitter le conseil. Merci. Moi, j'ai perdu sur les bâtonnets. C'est pas vrai. Ouais. Oh, je suis désolé. Hein. C'est pas grave. Ah ouais ? Ils sont libérés. La boule, amène-nous les prisonniers. Ah, on a bien. On a mérité. Je crois qu'on a mérité. Allez, on sort. Messieurs, merci. Vous avez été
très moyen cette nuit. Oui. Et on dit merci à qui? À qui on dit merci? Vous avez délivré? Si on dit pas merci. Vous avez délivré? C'est plaisir de vous voir quand même. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, vous êtes reposé. Vous avez des petits cadeaux pour nous? Bon, alors ce que je vous propose, c'est que, parce que la nuit va être courte pour vous, qu'on libère enfin vos habits. La boule, s'il te plaît, ouvre la porte. Tout le monde est libéré? Non! Voilà, bravo, vous avez été formidable là dans cette suite. Bien, je vais vous laisser dans l'intimité maintenant de votre quartier de vie. Suivez Passe-Muraille qui va vous ramener à votre lieu de repos et puis à demain matin avec Sarah pour la suite. Merci, bonne nuit. La force. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Pour les enfants, 1, 2, 3. Pour les enfants, et on y va. Ils ont encore de l'énergie à cette heure-ci. Eh ben. Ah, tu croyais pas là. Moi, je suis fatigué, moi je sais même plus comment je m'appelle. Stéphane, je crois. Non, Stéphane. Non. Allez les enfants. C'est là que vous pouvez vous arrêter. Ah, c'est là. Vous avez fait les mêmes passages. Il faut vous dire quand même, on est resté coincé en prison dans des cellules étroites comme ça. Moi, j'avais même pas la hauteur sous barreau. Vas-y. Nous, on était là, tranquille. Non, c'est démené pour vous. Vous nous avez libéré. Je crois qu'il est l'heure. Hein. Demain matin, c'est tôt. On prendra une douche demain matin, non? Et moi, ça va pas le faire. Et moi, avec la combinaison. Bon, oui. Demain, je serai là. Allez, bonne nuit. Allez, le faire quand même. Il y a besoin de toi. Déjà debout, toi? Moi, je suis un militaire. T'es un fou. Voilà, facilement. Je suis partie hier, j'ai laissé 3 candidats. Est-ce que j'en ai 6 ce matin? Gagné! Oui. Oui, non, ils ont été surprenants, formidables. Et de plus, pour une fois, le conseil leur a valu de récupérer l'équipe toute entière. Pas de temps supplémentaire pour le service. Mais écoute, le plus important, c'est quand même qu'on en ait 6 ce matin. Mais voilà, l'équipe a battu. Ah, bah, on parle de l'équipe. Les voici qui arrivent. Émission quand même très intéressante jusqu'à présent. Des rebondissements dans tous les sens. Beaucoup de prisonniers, tous libérés. Le temps aussi. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, cette nuit sur le fort, quelle impression? C'était pas mal. On a bien dormi. Génial. Génial. Ta résidence. Tout le monde a dormi? Oui. Tout le monde est reposé? Les filles se sont endormies les premières. Ouais. Elles étaient bien fatiguées, à point. Les garçons n'étaient pas fatigués? Si, mais ça allait. Bon, alors, puisque vous êtes bien reposés, je vais proposer à Olivier, d'emblée, de suivre Passe-Temps pour aller se préparer pour la première aventure. Allez, Olivier. Et on te retrouve. C'est ça, les réveils sur le fort. Pour les enfants, voilà. Et on y oui, bah, j'espère que vous serez plus dynamique dans les aventures. Hein. À la fin, alors, peut-être que vous allez y arriver. La cloche vous a réveillé de manière un peu brutale, veuillez m'en excuser, mais ce n'était pas de mon fait. Oh, et quand il y a une autre cloche qui sonne, ça signifie le début des aventures. Passe-partout, on y va, vous avez 3000 euros pour le moment pour l'association. Rien de tel que d'augmenter encore cette somme. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est parti, allez. Allez, on y va. Pour ouvrir le coffre qui contient le trésor de Fort Boyard, l'équipe doit composer un mot code sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur permet de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot code du jour. Bien alors Olivier, sensation? Eh ben, ça va pas mal, je me sens assez assuré. Tu as vu le confort? Je regarde pas en bas, quoi. Bon, rassure-toi, tu n'as pas beaucoup à te plaindre car tu es bien installé, harnaché. Tu n'as pour seule mission qu'à récupérer l'indice qui se trouve donc
devant toi. Voilà. C'est pas énorme. Ce sont surtout tes camarades qui vont travailler. Un travail d'équipe donc, puisque vous aurez actionné cette corde pour marquer le mouvement de balancier et permettre à Olivier de récupérer cette cartouche. Une chance également dans votre malheur, c'est que le temps, heureusement, a changé depuis hier. Le ciel est plus couvert, donc tu ne seras pas ébloui par le soleil pour bien viser et récupérer cette cartouche. Bonne chance à vous tous. Attention. Prêt ? C'est parti ! Alors, les hommes forts tirent. Alors, Olivier, une chose très importante, essaye de ne pas... Attends, lâchez tes pieds du trapèze, d'accord ? Parce que sinon tu vas les cogner. Attention. Voilà, allez, alors vous suivez bien le mouvement de la corde, vous tirez, attends, mais Richard, il faut accompagner la corde lorsqu'elle remonte. Oui. Il faut tirer beaucoup plus fort que ça, d'accord ? T'as l'impression que tu montes, Olivier ? Ouais, je monte. Olivier, ça va ? Olivier, tu sais, il faut que tu les guides. Lâche les mains. Olivier, faut que tu les guides. Allez, on va. Encore. Juste une seconde, Olivier, faut vraiment que tu les guides. Tire plus fort. Allez, c'est le dernier. Oui. Bravo. Là, on démarre les choses différemment qu'hier. Hein. On a démarré avec un premier indice, c'est super. Bravo. Bravo, Olivier. C'est comme là. J'adore. T'avais pas besoin. Tous les jours. T'as profité. C'est dommage que c'est pas duré plus longtemps, Olivier. Non, c'est génial. Bon, j'ai juste une question. La mascotte, le petit nounours d'hier, on l'a perdu en cours. Ouais, parce que c'était pas terrible, tu vois, sur le début d'émission. Non, mais on est plus performance à le nounours. Voilà, ouais, ah, je m'en doutais, je savais depuis le départ. Passe par contre ensuite. Allez, bravo Olivier. Je reste pas là. Si, tu restes accroché, non, t'inquiète pas, l'équipe va venir te déséquiper. Parfait. Ça, c'est ce qui s'appelle bien commencer une journée. Ah, j'aime super. Bien cet endroit-là. Ah oui, ça t'évoque des bons souvenirs. Hein. Alors, d'abord, avant toute chose, Salomé, s'il te plaît, suis passe-temps. Tu vas te préparer pour l'aventure suivante. Voilà, il va te mener à bon port. À tout à l'heure. Ne mange pas les bêtes. En attendant qu'Olivier arrive. Alors, ici, il se trouve, derrière ça, pour être précis, un autre indice. Mais comme vous pouvez le remarquer, il va falloir l'ouvrir. Et les indices se cachent ici derrière. Richard, je ne sais pas si tu as eu le temps de bien petit déjeuner, mais là je te propose un buffet exotique. Au menu, araignée et scorpion, et indice bien sûr. Allez Olivier. Allez Richard. Présente-toi devant la porte. Tu récupères deux petits morceaux de papier sur lesquels il y aura des numéros d'inscrits, d'accord des... Ouais, deux papiers. En deux parties. Avec le point devant et le point derrière, c'est ça. Et ça constituera donc le code à quatre chiffres. Putain. Allez, ne perdons pas de temps. Allez, vas-y, Richard. Allez, bonne chance. On est là pour t'encourager. Est-ce qu'on va pouvoir l'aider, nous ? Oui, bien sûr qu'on va l'aider. On va l'aider parce qu'on va voir quelles sont les araignées et les scorpions qui ont des morceaux de papier dans leurs pattes. Parce que tous n'en ont pas. La première chose, Catherine, allez, tu vas te mettre contre la porte pour lui donner des indications. D'accord. La première chose que tu peux lui dire, c'est qu'il y a des leurres. C'est pas parce qu'il y a un morceau de papier qu'il y a... Là, qu'est-ce que je fais, là ? D'accord ? Les trois devant toi, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, là, les premiers. Attention, parce qu'on les voit pas systématiquement. Au-dessus de toi, il y en a une. Lève la tête, regarde si elle a quelque chose. Non, elle a rien. Il peut pas la traiter, celle-là. Il y en a une qui a un petit papier. Alors, à sa droite. À ta main droite, à ton bras droit. Devant. Oui, c'est ça. À ton bras droit. Non, ton bras droit. Regarde ton bras droit, Richard. Lève ton bras droit. Ah, elle est mignonne. Ah oui, Richard, lève sa main droite. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Mais attention, c'est peut-être un leurre parce qu'il y en a d'autres. Hein. Alors là, il faut qu'ils prennent le petit morceau de papier pourvu qu'il y ait un code. Alors, Maillard, ce que tu vas faire, c'est que tu vas composer le code au fur et à mesure. Et il va te dire si c'est en début ou en fin. Là, j'ai un numéro. T'as un numéro 21. Est-ce qu'il est en début ou en fin? En début ou en fin? Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point devant ou derrière ? Non. Bon, bah, on va essayer. On se souvient si ça se bien si ce n'est pas. Non, elle n'en a pas celle-là. Alors, il y a un petit coffre, il peut se diriger vers le petit coffre. Il y a une petite bête. Et là, dedans. Et là, c'est la même chose. Il y a des leurres, il y a un code, il y aura des scorpions.
Olivier, bravo, tu nous as ramené le premier indice. Alors, Richard se débrouille bien pour l'instant. Il a réussi à prendre des araignées sans souci. Et oui, il a pas souviens-toi que tu le retournes tranquillement, le scorpion. Et, ouais, et mais Catherine, il faut le speeder. Hein. Ouais. Vas-y, Richard, allez. Vas-y. Richard, vas-y, plus vite. En plus, tu l'as. Chose que je ne vous ai pas encore dit ce matin, les aventures, c'est comme hier, il y a un temps imparti sur chaque épreuve. On est dans le timing. Alors ça, on n'a aucune notion du temps sur le sort. Il m'a piqué, hein. Il l'a pas Richard, piqué. Allez. Est-ce que ça peut être un leurre, ça? Tout est dans la tête. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il tienne la pince. Alors, il faut que tu tiennes la pince. D'accord. Retourne tranquillement la bête dans ta main. Il faut qu'il tienne la pince. Tiens la pince, Richard. Tiens la pince. Pourvu qu'il y ait le code dessus. Ouais, c'est bon. Là, il faut qu'il se dépêche parce qu'il va se retrouver dans le noir avec les scorpions et les araignées. Et là, c'est pas drôle du tout parce que... on n'aurait pas l'indice. Allez, Richard, c'est bon. Là. Ah, bah non, c'est 21 de tout à l'heure. Il n'y a pas de coin. Catherine, dis-lui de tenir la pince et de la retourner. 38. Bravo, Richard. On va voir qu'on apporte un indice. Oh, ça a explosé. Ah, oh, c'est dommage. Non, bien aligné. C'est fini, ça sert à rien. C'est brûlé. Écoute, Richard, c'est bien joué parce que t'as réussi à les manipuler, mais t'as pas été assez rapide. Ouais, mais attends, je crois qu'il était coincé, hein. Non, je l'ai tiré, il m'a pas laissé. Il fallait tenir la pince. Et c'est vrai que c'est impressionnant, les scorpions. Mais attends. Je l'ai à l'envers. Et je le mets à l'envers. Est-ce que tu trembles un peu? Non, mais le problème, je tenais le dard. Et quand je tenais la pince, comment tu veux tirer le truc? Il fallait une troisième main. Non, mais c'est bien. Comment t'as vécu? T'aurais dû tirer avec les dents. Écoute, c'était assez impressionnant, mais le scorpion, il y en a... Allez, c'est pas grave. On a un premier indice, on va retrouver Salomé. Passe partout, tu sais où elle est, Salomé, ma petite soeur. Ah, elle attendait sa sœur avec impatience. Voilà, regardez, c'est pas émouvant cette image. Bien, Salomé, du courage en effet, c'est ce qu'il faut essentiellement. Deux jambes et deux bras, deux jambes pour après se redresser et deux bras pour saisir l'indice qui se trouvera donc sur l'élastique. Ça va? Confiante? Et ramène-le parce que Richard n'a pas réussi. Catherine, toi en attendant, tu vas suivre Passe-Temps et rejoindre le père Foura en vigie. Bonne chance, Salomé. Tout le monde est avec toi. Allez, je vous laisse. Et à tout à l'heure. Allez, il faut y aller là. Nous on va t'encourager de là, de la passerelle. Allez, va retrouver Antoine. Antoine est top. Écoute bien ce qu'il te dit. Antoine, tu t'occupes bien de ma petite sœur, hein. Là, tu t'occupes bien de tout le monde, donc je te fais confiance. Salomé, c'est toi qui n'as pas de risque. Alors, Salomé, t'as compris le principe, une fois que tu sautes, tu remontes à la corde de façon à récupérer un code. Tu cries bien le code plusieurs fois. Olivier, tu l'ouvriras le coffre? Ouais. D'accord. Il est où? Ah, il est là. Ok. Bon, Richard, les scorpions. Bah, écoute. Est-ce que tu peux montrer ta jambe à la caméra? Parce que c'était une épreuve toute destinée pour toi. Mais le coquin, il m'a pincé deux fois, il n'a pas voulu me donner le papier. Et après, je l'ai eu. Quand tu l'as eu, c'était trop tard. Maintenant, on va s'occuper de Salomé à la caméra. Vous l'encouragez. Faut que je saute vers l'avant. Fais un saut classe, un comme ça. Ouais, fais un truc un peu joli. Salomé, tu veux qu'on t'encourage ou tu veux qu'on saute? Je sais pas, je m'en fous. Allez. Non, en fait, fermez votre gueule. Allez, faites ce que vous voulez, tenez-vous quand même. C'est que ça! Mise la porte de tes bras! Avec les bras! Tu es prêt?
Elle y arrive ou pas? Le problème, c'est qu'elle a plus de bras, elle s'est fatiguée. J'arrive pas à me redresser. Pousse sur les pieds. Elle peut encore y arriver, Antoine. Elle peut encore y arriver ou pas? Allez, allez, pousse sur les pieds. Tire et pousse sur les pieds. Pousse sur les yeux. Voilà, 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 voilà. Allez, allez, allez. Et avec les bras. Ouais, ouais, allez. Allez, salope. Voilà. Allez, lâche le bras droit. Ça va exploser. Il y a de la fumée en tout cas. Ah, j'arrive pas. C'est pas grave, Salomé, c'est pas grave. Salomé, c'est pas grave, t'as sauté, j'ai été plus en forme. J'ai trop mal. Mais j'ai pas. Mais faire quoi? Bon, chérie, on va venir te déséquiper. On va la retrouver. Bon, on va pas perdre de temps parce que là, on n'a qu'un seul instant. C'est une fois, la merde. Ça se passe pas. Bien, bien, nous deux, ma petite Catherine. Enfin, petite, je vais attraper un torticolis avec vous. Mais faites attention. Un peu plus grand que vous, quand même. Ça dépend comment je me tiens. Mais écoutez, soyez à la hauteur tout de même. Mais faites attention tout de même aussi, parce que ici à Fort Boyard, c'est comme le temps, tout peut basculer. Bleu hier, gris aujourd'hui. Alors concentrez-vous. Voici les trois définitions. Première définition. Mon indice est un poisson. Allez, allez, proposez-moi. On a dit c'est un poisson. Oui, oui. Un allez. Bar. Voilà. Vous connaissez tout ça, vous. Allez. Un loup, un maquereau. Deuxième définition. Mon indice peut être public. Recoupez les deux. Public. Allez, allez. Mon indice peut être public. Un bar. Un bar est public. Alors, troisième définition. Écoutez bien, Catherine. Lors d'un crime, on dit que l'assassin revient toujours sur mon indice. Sur le lieu de son crime. Alors, vous venez dire quelque chose. Allez, allez, allez. Sur le lieu de son crime. Ah, ben vous repartez avec l'indice. Ah, oh, j'ai envie de vous embrasser. Bah, on va rester là. Vous raconterez tout ça après. Oui. Et oui, ben c'est ce qu'on appelle partir toute voile dehors, ça. Nous sommes maintenant à l'extérieur du fort. Nous allons voir dans un instant si Catherine a réussi ou non avec le perfoir à récupérer un indice. Salomé, en revanche, a fait un très beau saut, hein, on peut le dire. Malheureusement, elle n'a pas pu attendre. Bravo. Moi, je dis bravo. Mais en fait, je devais attendre les rebonds et on m'a dit le contraire. C'est de votre faute. C'est parce que ça t'arrange, mais c'est vrai qu'il fallait sentir le bon rebond au moment. Arrête, tu nous as fait une belle séquence. T'es toute frêle, tu vois, toute fine, et il fallait mettre quelque chose aussi. Oui, bon, les sœurs, plus tard. Ouais, hein. Oh là, les histoires de famille. J'ai le droit de la défendre. Bon. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas à la défendre. Elle a été formidable. Ce qu'il y a seulement, c'est de récupérer encore quelques indices. Ça pourrait vous aider pour la salle du trésor. Le suivant est toujours ici, caché donc dans cette boîte pour ouvrir le code Maillard. Ça va être à toi et à vous tous. J'ai une bonne nouvelle à te dire néanmoins. C'est que comme tu peux le remarquer, le fort est doté d'un nouvel ascenseur. Mais comme ici tout est rustique, c'est à l'huile de coude que vous allez pouvoir faire actionner cet élévateur. Tu vas donc, au fur et à mesure de ta progression, découvrir des séries de chiffres. À vous de faire les soustractions nécessaires pour découvrir le code. C'est clair? Sarah est là de toute façon pour vous aider. Bonne chance! Et encore un indice, hein. Tiens, tu veux bien prendre la veste? Voilà, je prends la veste, très bien. Allez. Alors, une chose très importante, Maillard, tu dis stop quand tu arrives au niveau du portefeuille en bois, parce que la nacelle ne peut pas redescendre. Oui, oui. Salomé, tu vas écrire stop. Voilà, stop. Tu vas écrire les chiffres et surtout, fais les soustractions au fur et à mesure. Très important. Catherine, tu l'as eu? Oui, j'ai eu. Eh les gars, j'ai eu un indice. D'accord, j'ai eu un indice, les gars. Alors, une chose qui est très importante, c'est vraiment de réussir cette soustraction, parce que ça, c'est dommage que Maya réussisse et qu'on n'ait pas l'indice pour une faute de calcul. On va dire, là, dans deux secondes. 25,69. Alors Maya, au bout du pont de singe, après le troisième code, tu vas te lancer sur un pont de singe de façon à aller récupérer le quatrième. Stop. Non. Stop. On va vérifier. Dépêche-toi. Allez, allez. Moi, je m'occuperai du. Je vais nettoyer. 15. 35. 15.
35. 15-35. Allez. Maintenant, Maya, tu vas ouvrir la nacelle et tu te lances sur le pont de singe. Très bien. Doucement. Doucement, non, parce qu'il faut, aller vite. Vas-y, vite. Oh, il a une drôle de façon. Allez. Regardez comment il est. C'est bien. Allez, vas-y, t'es prêt. C'est spectaculaire la façon dont tu gères ce pont de singe. Allez. Super, Maya, c'est super. Allez. Bravo, Maya, c'est un style, mais t'as réussi. Vas-y, vite, donne-nous le code. Le dernier. Peut-être que c'est mon cadenas, moi, je vais démonter la situation. Lâcher le programme. Allez, Maya. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Maya. Il reste qu'une seule soustraction. Je ne veux pas voir la cartouche exploser devant nos yeux. Pense. 10, 71. 10, 71. Taisez-vous. 6, 3. 3604. 36, 04. Pas pour que ce soit ça. Attention, le repère, il est... C'est ça, le repère. Oui, c'est ça, oui, je sais, laisse-moi. Vite, c'est ça, le repère. Laisse-moi. 36. Si c'est pas le bon chiffre, on n'aura pas le temps de recalculer. Vite. Oui, Le mot, c'est lieu. Hein. Si je dirais c'est lieu. Alors ça, c'était la bonne nouvelle. On a trois indices. C'est la cloche. C'est la fin du temps réglementaire. On va vite à la salle du trésor. Maya, on va nous rejoindre. Eh oui, c'est déjà la fin des aventures. Mais l'aventure n'est pas encore totalement finie. Vous avez donc quelques indices seulement. Est-ce que ça va être suffisant? Trois indices. Allez, c'est vrai. Les cartouches ne sont pas encore ouvertes. Pardon. Ouvrir les cartouches là. Une fois qu'ils sont ouverts, vous me donnez les petits morceaux de papier. Équipe. Donc un lieu. Et votre troisième indice est indien. Si vous avez une seule seconde d'hésitation, un sacrifice, il vaut mieux être sûr de soi. Indien, équipe. Un sacrifice, moi je vous conseille un sacrifice si vous n'êtes pas sûr. Équipe, indien et lieu. Maya, tu te sacrifies? Qui se sacrifie? Prenez une décision. Allez. Alors Olivier, vas-y, dégage l'indice. Donne-moi la cartouche. Super. Allez, Catherine, tu vas découpiller la cartouche. Donc on récapitule. Indien, équipe et lieu. Est-ce que vous avez des idées? Dites tout ce qui vous passe par la tête. Cuisinier. Non, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un autre sacrifice. Un autre sacrifice. Mais ne perdez pas de moi. Maya, vas-y. C'est quoi, lieu, cuisine? Lieu, cuisine. Oh là là, il découpille. Allez, réfléchissez. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Cuisinier, équipe, indien, lieu. Orchestre. Orchestre bruit. Opéra. Fauteuil d'orchestre. Chef, allez-y alors, allez-y. C'est attends les lettres. C H E F. Qui a dit chef? C'est toi qui as trouvé chef. C'est Olivier. On va voir si c'est le bon mot. J'ai le E moi. Mais ça me paraît. Et les boules. Chacun sur sa lettre. C'est bon. Regardez droit devant vous. Droit devant vous. Non. Féline Dora, tête de tigre. Ça va, revenez au moins une fois. Allez.
Ça fait peur. Hein. Oh là là là. Allez-y, allez-y, présentez-vous à la pesée. C'est quand même pas mal, hein. On y va? Allez, viens, vous en sortez bien parce que vous avez mis beaucoup de temps à trouver le code. Allez-y. Allez-y. C'est pas facile. Allez, on va aller à la pesée. Non, c'est pas toi qui t'en occupe. Nous avons Passepartout et Passepartout qui se font une joie de. Attends, c'était super. Vous occupez de la pesée. Salomé en face. Stéphane aussi. Il y a un truc qu'on n'avait pas décidé, c'est de quel côté on allait. Bon. Parce que moi, eh bien, on y est arrivé. Ça a été dur. Alors, voyons d'abord par rapport aux différents indices que vous aviez réussi à collecter, ce qu'il en était concernant ce chef. Découvert donc par Olivier. C'est compliqué. Lieu pour le chef-lieu d'un département, bien sûr. Équipe, le chef d'équipe est celui qui est à la tête d'un groupe de personnes. Et indien, le chef indien. Parfait. Chef, ça nous fait quatre lettres. Quatre lettres qui vont vous rapporter, je l'espère, un maximum d'argent pour l'association. Voyons ça avec Passepartout et Passe-temps. Venez. Voyons ça. Ça m'a l'air bien lourd quand même. Hein. Regardez. Ouais. 720 euros, c'est énorme. Voilà, c'est, très, ouais, très non, c'est vraiment très une belle performance. Très bravo. Bravo. Oui, non, non. C'est pas mal. Est-ce que vous 1, 2, 3 pour les enfants. On a eu du cœur. Vous n'y arrivez toujours pas. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'euros dans cette cagnotte et c'est bien joué parce que ça a été une. Ouh, ça a été compliqué. Au départ, vous étiez lent au démarrage, en fait. Et vous avez trouvé vos marques et après, ça a été comme sur des roulettes. Pourtant, on est une belle équipe. Quelle équipe, quelle belle équipe. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce fort. À bientôt, vous serez toujours les bienvenus. Merci, merci à toi, Sarah. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Très vite. Bon, plein d'émotions. Hein. Moi, je retiens évidemment le saut de ma petite sœur. Ma sœur n'a rien réussi du tout. C'est vraiment pathétique. Richard, les scorpions. Ouais, je crois que tu l'as carrément assommé, le dernier. J'aimerais bien avoir un dossier nouvelle. Le pauvre, il est mal au poil, le pauvre scorpion. Ah, ça, c'était drôle. Ça, c'était très drôle, le bisutage. Vous avez démarré avec un temps sublimissime. Ce matin, on a eu de la pluie, on a eu de l'orage dans la nuit. Et là, regardez, on se quitte avec un rayon de soleil. Peut-être un dernier mot quand même sur l'association. Très, 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 très court. Mais c'est important de le rappeler, mécénat chirurgie cardiaque. Alors, c'est 33 rue Saint-Augustin à Paris, dans le 2e arrondissement. Avec 13 000 euros, on peut, opérer un gamin, presque deux enfants. Génial. Donc, on est quand même, on a bien bossé quand même. Hein? Et vous, à la maison, vous pouvez ajouter pas mal d'argent à cette cagnotte en tentant de décrocher ce t-shirt aux enchères sur le site www.france2.fr. Oui, il a été dédicacé par tout le monde. Et vous pouvez aussi vous mesurer aux énigmes du père Fourin en composant le 3245. Évidemment, des cadeaux à la clé. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, on embrasse avec l'équipe tous les enfants, les parents et les grands-parents. Et à très bientôt sur France 2. Au revoir. Et vous, vous prenez ça, vous le prenez et vous le gardez bien. Hein, pour apporter ça aux enfants. Allez. Vous pouvez dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On dit que l'effort est toujours payant, ça c'est une fois de plus vérifié ce soir. À bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus loin.